Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va organiser aujourd'hui un petit live avec un titre et un intitulé assez clair qui est « Taxer les profiteurs de crise ». Puisqu'on vient de nous donner un petit calendrier de déconfinement et qu'on commence à voir le bout du tunnel, ça c'est pour la partie sanitaire, mais ce n'est pas dit qu'on voit le bout du tunnel sur la partie sociale. On sait que la crise s'est amenée avec une augmentation considérable des inégalités, et qu'on voit très bien que ça n'a pas été la crise pour tout le monde, parce que quand il y en a qui galèrent à terminer leur fin de mois, qui sont en chômage partiel, qui galèrent avec le RSA, pour les jeunes qui ne le touchent même pas, bah, il y en a d'autres qui s'en sont mis plein les poches. Et c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui, qui rejoint en fait un combat que je porte moi, et je suis super contente de ne pas le mener toute seule, parce qu'il y a des associations, des ONG qui se battent aussi pour taxer les profiteurs de crise. On va revenir un peu dans le détail sur ce que c'est avec mon invité aujourd'hui. C'est Raphaël Prado, qui est porte-parole d'Attaque. Normalement, si tout va bien, Raphaël va arriver à l'écran. Salut Raphaël. Salut, bonjour tout le monde. Alors Raphaël, il est prof de sciences éco et sociales, mais surtout c'est le porte-parole d'Attaque. Et vous avez peut-être vu ces dernières semaines, je ne sais pas où vous habitez en France, ceux qui nous suivent, fleurir sur... certains murs de vos villes, des affiches avec des jolies têtes d'un certain Bernard Arnault ou un certain Drahi ou d'autres parmi nos chers milliardaires qui se sont enrichis pendant la crise, qui est un peu l'objet de la campagne que vous menez à Attaque et qui a beaucoup de sens aujourd'hui. On se disait ça tout à l'heure avec Raphaël, que voilà, ça y est, le débat arrive et monte enfin, alors qu'on a pendant des années un petit peu pataugé dans le désert et qu'on nous prenait pour des gauchistes. Mais on va revenir un peu sur le cœur du débat. Vous dire, toutes celles et tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à nous poser des questions. Le but, c'est que ce soit vraiment un live interactif, qu'on discute ensemble. Moi, je relayerai vos questions à Raphaël et qu'on puisse échanger un maximum d'ici la petite heure qui nous amène jusqu'à 19h pour voir que, en fait, cette idée qui paraissait loufoque et gauchiste de taxer ceux qui se sont enrichis sur la crise pour financer la solidarité, en fait, c'est une idée qui fait son petit bout de chemin. Alors, j'ai une première question pour toi, Raphaël. Pourquoi vous avez lancé cette campagne avec Attaque? On a lancé cette campagne parce qu'on s'est bien rendu compte, comme tout le monde, que cette crise, à la fois, elle n'était pas seulement sanitaire, mais elle était aussi sociale, avec des conséquences dramatiques. On a tous en tête les images d'étudiants faisant la queue pour manger. Enfin, y a beaucoup d'inquiétudes sur les destructions d'emplois, qu'elles soient maintenant ou surtout à venir. Et puis, en même temps, on s'est rendu compte, comme tu disais, que ce n'était pas la crise pour tout le monde. Alors, l'an dernier, quand on a lancé cette campagne, on s'est concentré d'abord sur Amazon, parce qu'Amazon, c'était vraiment le grand gagnant du confinement. Pendant Ils ont que les triplé commerçants leurs étaient bénéfices, fermés, quand même. Voilà, pendant que les commerçants étaient fermés, pendant que les librairies étaient fermées, etc., Amazon se gavait. Et Amazon, c'est une entreprise qui symbolise vraiment les méfaits des multinationales et leur impunité sur le plan social, sur le plan fiscal, sur le plan environnemental. Donc, on s'était dit que c'était intéressant de le prendre sous cet angle-là. D'autant plus que Jeff Bezos battait, on savait que la fortune de Jeff Bezos battait des records et que c'était l'homme le plus riche du monde. Et puis, on, c'est vrai qu'on a beaucoup tapé sur Amazon et puis on réfléchit toujours à des nouvelles cibles. Et c'est vrai que bon, Amazon, comme on l'a fait avant avec Apple, c'est une des plus grandes multinationales du monde. C'est très intéressant de le prendre comme cible, mais il n'y a pas que les multinationales américaines. Rappelons quand même qui est le PDG d'Amazon. Oui, Jeff Bezos, effectivement, c'est quand même l'homme le plus riche du monde et puis quelqu'un qui a des projets quand même pas tout à fait souhaitables pour l'avenir. Et c'est vrai que bon, on ne cherche pas à donner l'impression que les multinationales américaines seraient particulièrement pires que les autres. C'est simplement qu'on s'attaque aux plus grosses, on ne va pas s'attaquer à plus petits alors qu'il y a plus gros qui fait plus d'évasion fiscale, qui fait plus de dégâts. Mais là, sur ce début d'année, on s'est concentré surtout sur ce qui se passe en France, parce qu'on a vu une politique du gouvernement depuis le début du quinquennat qui a consisté à la fois à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches. On se rappelle de la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. On se rappelle de la flat tax, donc en fait une taxe de 30% sur les revenus financiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, les revenus financiers sont moins taxés que ceux du travail.
on a vu cette non-lutte contre l'évasion fiscale et en même temps, on a vu un gouvernement qui faisait la guerre aux pauvres, on ne peut pas le dire autrement, quand on baisse les APL, quand on fait une réforme de l'assurance chômage qui va faire 1,15 million de perdants d'après les estimations qui sont faites, on s'est dit, c'est quand même pas possible, on marche sur la tête, on est dans une séquence où c'est une crise majeure et où ceux qui prennent le plus cher, à la fois par rapport au Covid et par rapport au nombre de morts, mais aussi par rapport aux conséquences économiques et sociales, ce sont les plus précaires. Et c'est sur les plus précaires, sur les bénéficiaires des APL ou les bénéficiaires d'allocations chômage, que le gouvernement veut faire des économies. Alors, il y a aussi autre chose qui nous a inquiétés dans le contexte, c'est que vous rappelez du quoi qu'il en coûte, hein, et nous, on n'a pas critiqué ça, évidemment qu'il fallait une politique de relance. Sauf que quand on regarde le contenu de cette politique, les entreprises, les grandes entreprises ont reçu des aides massives, mais sans aucune contrepartie. Et elles en profitent pour certaines licencier, certaines continuer leurs activités dans les paradis fiscaux, certaines verser des dividendes. Tu peux donner des exemples pour... Eh ben, vous avez vu certainement, j'imagine que tu l'as relayé, le rapport de l'Observatoire des multinationales là, qui montre que les entreprises du CAC 40 vont verser en 2021 51 milliards de dividendes. Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est une augmentation d'à peu près 20% par rapport à l'an dernier. C'est complètement sidérant, quoi. Alors, il y a ça, et puis… attends, je ne vais peut-être pas être trop long, tu me relanceras parce que sinon. Non, je pense que. Le contexte, c'est qu'en gros, le gouvernement a fait des cadeaux aux plus riches, il tape sur les pauvres, et là, alors que les plus riches se sont enrichis pendant la pandémie, on attendrait qu'effectivement, il y ait un retour de bâton. Et alors, quelques chiffres, du coup, parce que tu m'en demandes, c'est que, du coup, on a essayé de travailler à partir des données. Alors, on peut tout à fait dire que c'est contestable parce que c'est les classements Forbes, c'est à partir de la valorisation boursière. Donc, depuis qu'on a sorti, on a sorti une note avec Oxfam il y a une semaine, depuis, on apprenait que Bernard Arnault était devenu le deuxième homme le plus riche du monde. Ça, c'est très fluctuant. Mais quand même, ça donne une idée. Les politiques qui ont été menées tant par la BCE que par l'État ont favorisé, en fait, dopé la valeur des actions. Et évidemment, les milliardaires, ce sont les principaux actionnaires des grandes multinationales, quoi. Et donc, c'est vrai que on porte cette idée-là que ça serait quand même peut-être un petit peu de la moindre des choses, une mesure de justice fiscale vraiment basique de se dire, eh bien, si on faisait payer les profiteurs de la crise, je rappelle que Macron nous a dit qu'on était en guerre. Et on va y revenir sur 1900... les mesures de guerre qui ont été faites dans le passé, qui étaient bien plus ambitieuses. Mais peut-être pour que les gens se situent bien, ce dont on parle, c'est une augmentation de la fortune des milliardaires. Alors, ça dépend si on prend les chiffres en France ou tous les milliardaires dans le monde, mais c'est entre 40 et 50% en un an. Mm-hmm. Bernard Arnault, c'est 62 milliards d'euros. Voilà, et c'est des Arnault, sommes... ça a carrément doublé. Voilà, et c'est des sommes qui paraissent complètement, enfin, je sais pas, prenons même le chiffre d'augmentation de 40%. Imaginez si pendant cette année de crise, le salaire minimum, le SMIC en France, avait augmenté d'autant. Évidemment, c'est des sommes qui sont complètement déconnectées de la réalité. Et surtout, c'est ce qu'on oublie, c'est que tous ces gens-là se sont enrichis sans rien faire. C'est en effet la valorisation boursière, le fruit aussi d'une forme de spéculation, et qui fait que ça crée une forme de cercle à leur sens vertueux, à notre sens vicieux, où on a des milliardaires et des multinationales qui s'enrichissent de plus en plus, et derrière des États qui manquent de moyens et qui, au lieu d'aller prendre chez ces gens-là, vont prendre chez les plus pauvres. Et tu parlais, c'est directement lié à la réforme de l'assurance chômage où il y a plusieurs milliards d'économies, à la réforme des retraites où il y a plusieurs milliards d'économies. On l'a montré cette semaine, il y a eu le plan de relance français qui a été envoyé à l'Union européenne, et dedans, la France s'engage noir sur blanc à faire la réforme des retraites, à faire la réforme du chômage. Et en plus, le pire, c'est qu'ils ne mentent pas. Ils disent très clairement, leur objectif, c'est de faire des économies. Et nous, on dit, et c'est aussi tout l'intérêt, je trouve, de votre campagne, et franchement, le fait qu'on en parle maintenant, c'est aussi le fruit d'un long travail qui a été le vote pendant des années, de dire que, bah, en fait, c'est une question plus globale qui est posée de qui doit contribuer à l'effort d'État. Et là, on se rend bien compte qu'on va demander aux plus pauvres de payer, et les plus riches, eux, vont continuer à s'enrichir davantage. Un mot là-dessus. Ouais, vas-y. Non, parce qu'il y a un autre élément, mais je ne vais pas trop en dire tout à l'heure, mais il y a aussi un autre élément qui nous inquiète, c'est qu'après le quoi qu'il en coûte, on prépare les esprits à une politique d'austérité. Il y a la fameuse
commission, enfin fameuse, on n'a pas tant parlé de ça par ailleurs, mais ouais, la commission on devrait plus Arthuis en sur parler, l'avenir des ouais. finances publiques qui a fait un rapport, je vous encourage à aller voir la note qu'ATTAC a publiée cette semaine avec la Fondation Copernic pour le décrypter. En gros, on prépare les esprits à dire, voilà, quoi qu'il en coûte, ça va bientôt être fini, et il va falloir faire des réformes, et on nous dit effectivement réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage. Alors, ce qui est très drôle, si vous regardez l'interview de Macron dans l'Opinion, il ose prétendre quand même que ça va être des réformes, des retraites plus justes, quoi. Donc, en même temps, il nous continue à nous dire que c'est juste, mais c'est comme la réforme des APL, c'est une question de justice, mais au final, en général, vous y perdez, quoi. Mais c'est de manière de justice. Donc, ils ont pas mal galvaudé le mot justice, en fait. Oui, c'est ça. Pour eux, justice, APL, c'est justice juste, pour les riches, quoi. On recalcule les allocations chômage, c'est plus juste. Ah, bah, vous allez moins gagner, mais c'est plus juste comme ça, quoi. Et c'est vrai qu'on voit bien que dans le même temps, on ne demande aucun effort aux plus riches. On a calculé que les cadeaux fiscaux qui ont été faits depuis le début du quinquennat aux plus riches et aux grandes entreprises, c'est-à-dire en gros la transformation de l'ISF en IFI, la flat tax, la baisse des impôts de production et la baisse de l'impôt sur les sociétés, ça fait un manque à gagner cumulé de 60 milliards d'euros sur cette période-là, quoi. Donc en fait, on est dans un système quand même qui est hallucinant où les riches sont de plus en plus riches. Si elles sont plus riches, c'est notamment parce que les grandes entreprises versent de plus en plus de dividendes. Et à côté de ça, on aurait l'idée qu'il n'y a pas d'argent magique, qu'on ne peut pas trouver des moyens pour l'hôpital. Et là, tout le monde a bien vu que quand il y avait de l'argent, on pouvait en trouver. Et du coup, je voudrais quand même dire un petit mot de la question de la dette, hein, parce que là, on nous prend quand même bien pour des imbéciles. On commence à nous dire qu'il va bien falloir la rembourser, la dette. Donc, il va falloir se serrer la ceinture. Et ça permet de légitimer des politiques d'austérité. Donc, nous, on dit très clairement, déjà, la dette, on peut en annuler une partie. Mais si vous voulez chercher de l'argent, ce n'est pas la peine d'aller chercher dans la poche des chômeurs et des allocataires des APL ou des futurs retraités. Il y a des gens qui se sont extrêmement enrichis et ça serait pas, ils ne vont pas se retrouver sur la paille demain si on en prend une partie de leur fortune. Hein. Je prends, ce n'est pas une proposition de porte-attaque, mais elle est intéressante. Hein, la proposition de Piketty de prendre 2% de la fortune des plus riches. Bon, ben, si vous prenez 2% de la fortune des plus riches, ça rapporte 100 milliards d'euros, mais eux, ils vont pas avoir de problème de fin de mois. Et en plus, comme on l'a dit, cette fortune-là, elle s'est considérablement enrichie, elle s'est considérablement accrue dans les derniers temps. Quoi. Donc, c'est vrai que ça pose la question aussi de quelles limites on pose à l'enrichissement des milliardaires, quoi. Ne me dites pas que c'est parce que Bernard Arnault est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productif que moi, que toi, que les gens qui nous regardent, qu'ils gagnent ce qu'on ne gagnera jamais, même si on travaillait pendant des millions d'années. Ouais, il y avait ce chiffre qu'on utilisait à Oxfam, mais tu vois, je m'en souviens même plus par cœur. Si Bernard Arnault dépensait, je sais plus, c'était 10 000 euros par jour depuis. S'il avait dépensé 10 000 euros par jour depuis 1789, il lui resterait je sais plus combien de milliards d'euros. Oui, enfin, tout ça pour dire ça, que c'est. On ne se rend même pas compte. Après, c'est des sommes qui sont tellement délirantes qu'on ne se rend pas c'est compte. C'est clair. Mais en fait, ça défie l'entendement. Et bon, alors après, je suis obligé de constater aussi que. On est avec un président de la République qui a été élu avec le soutien de ses grandes fortunes. Je suis obligé de constater que les médias français sont quand même détenus en grande partie par ces personnes-là. Tu parlais des personnes qu'on attaque, mais quand on parle de Bernard Arnault ou de Drahi, c'est quand même des milliardaires qui ont été épinglés dans le scandale OpenLux. Donc on le savait déjà avant, mais bon, là c'est quand même documenté. Le scandale OpenLux, juste pour les amis qui n'ont pas suivi, c'est un scandale récent, je vous la fais courte, d'évasion fiscale au Luxembourg, j'ai envie de dire un énième, où en effet un certain nombre de personnalités, 4% du PIB français se trouverait au Luxembourg dans des sociétés offshore pour faire de l'évasion fiscale. Et qui confirme que l'évasion fiscale est un sport de riches et pratiqué de manière bien systématique sûr. Par les plus riches. Mais c'est sur clair. Les 50 plus grandes fortunes françaises, il y en a 37 qui sont au Luxembourg. Je rappelle c'est que ce n'est pas le seul paradis fiscal qui est à leur disposition. Et donc, je reviens juste sur mon raisonnement, c'est que bizarrement, les médias, par exemple Le Parisien ou Les Échos n'en ont pas parlé, ou BFM, j'ai essayé de trouver sur Internet, je ne trouve aucune référence à OpenLux. Et là, c'est pareil sur ce débat des riches, sur la fiscalité des riches. S'il est en train de monter, c'est aussi parce qu'il y a, on va en parler, d'un discours qui change de manière radicale aux États-Unis. Et c'est vrai que la France va se retrouver totalement à contre-courant. On est en train de nous dire, je rappelle que le mandat de la commission Arthuis, c'était de prévoir un assainissement des dépenses publiques, des finances publiques, pardon, mais en ayant exclu dès le début toute possibilité de hausse d'impôts. Et à chaque fois que Bruno Le Maire il s'est exprimé, il a toujours été très clair, la dette, il faut la rembourser, on va faire de l'austérité, on va faire des politiques, des réformes structurelles, mais par contre, il est hors de question d'augmenter les impôts. Quand vous partez du principe qu'il faut réduire la dette sans augmenter les impôts, évidemment, il ne reste plus qu'une possibilité, c'est de tailler dans les dépenses publiques. Et j'ai envie de tailler encore dans les dépenses publiques. On a quand même suffisamment
constaté l'an dernier à quel point la politique d'austérité qui a été menée dans les années 2010 a été catastrophique. Enfin, moi, c'est un exemple que je prends souvent, mais c'est à partir de 2013 qu'on commence à réduire le nombre de stocks de masques qu'on avait, qui avaient été constitués les années auparavant. Et puis là, pour faire des économies de bout de chandelle, on n'a pas renouvelé les stocks. C'est tout con comme exemple, mais quand on a vu nos personnels hospitaliers faire face à la crise avec dans des conditions totalement indignes dans lesquelles ils étaient, à devoir mettre des surblouses, etc., c'est les conséquences concrètes des politiques d'austérité. Et c'est les conséquences concrètes du fait que les plus riches ne payent pas leur juste part d'impôts, à la fois parce qu'ils pratiquent massivement l'évasion fiscale, mais aussi parce que la fiscalité, contrairement à un lieu commun, une idée reçue, non, les riches ne sont pas trop taxés en France. On va sortir le 19 mai un petit bouquin sur la fiscalité qui s'appelle Impôts, idées fausses et vraies injustices, qui s'attaque à un certain nombre d'idées reçues, et notamment celle selon laquelle les riches serait surtaxé en France. En réalité, quand on regarde le taux moyen d'imposition des très très riches, hein, je ne parle pas des personnes qui gagnent confortablement leur vie, je parle des très très riches, des 0,1% les plus riches. En réalité, leur taux d'imposition est comparable à celui des classes populaires, en fait. Ils ne payent pas plus d'impôts en moyenne. Mais pour donner une idée, pour ceux qui nous regardent, quand on parle d'impôts des plus riches, on ne parle pas, y compris des personnes qui gagnent 3 000, 4 000 euros de revenus par mois. On parle de gens qui gagnent à la fois beaucoup plus en revenus mensuels, mais souvent qui ont un capital très élevé, qui est une source de richesse considérable, et qui fait qu'on parle d'une toute petite minorité, et qui, en plus, ne paye. On dit souvent, oui, on est trop taxé en France, etc., mais ça, je pense que c'est important à rappeler. Le premier impôt en France, tout le monde le paye, et je vais même au-delà, les pauvres en payent plus en proportion de leurs revenus que les plus riches. Et cet impôt, si vous l'avez reconnu, c'est la TVA. Quand vous allez faire vos courses, vous regardez sur votre ticket de caisse, vous avez toujours la TVA marquée en bas. C'est 20% en fonction des produits, mais le taux normal, c'est 20%. Et la TVA, en fait, quand on est pauvre, on va passer tout son revenu à consommer, quoi. On va faire ses courses, machin et tout. Donc, on va payer une bonne partie de son revenu en TVA. Les riches, une fois qu'ils ont acheté deux voitures de course et je ne sais quoi d'autre, après, ils vont épargner, spéculer, etc. Et sur ça, ils ne payent pas de TVA. Et donc, d'où l'importance aussi de rehausser ces autres types d'impôts que des impôts à la consommation. Parce que, en fait, ce qui a été fait ces dernières années, c'est « Ok, on n'arrive plus à taxer les riches, c'est facile, on va taxer les pauvres. » Eux, ils n'ont pas de... vous qui nous regardez, je suis sûre, vous n'avez pas de compte caché au Luxembourg, en Suisse ou ailleurs. Ceux qui dirigent des petites boîtes, vous n'avez pas des filiales au Luxembourg. Par contre, c'est le cas des grandes multinationales ou des milliardaires, quoi. Mais peut-être on va revenir sur... C'est important ce que tu dis, parce que c'est une autre idée fausse qu'on déconstruit dans le bouquin, c'est qu'effectivement, les gens disent toujours « Oui, mais les pauvres ne payent pas d'impôts. On a Verdier, Molinier, tous ces entassés là, qui viennent nous dire « C'est scandaleux, c'est un problème de justice, c'est pas juste, parce que c'est les riches qui payent l'impôt. » Sauf qu'effectivement, si on se concentre plus sur l'impôt sur le revenu, c'est vrai, effectivement, la moitié des Français n'en payent pas, quoi. Sauf que pour les raisons que tu as dit qui sont très justes, donc le fait qu'en proportion, le revenu des pauvres paye plus de TVA que les riches, et pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, l'évasion fiscale, les cadeaux fiscaux qui ont été faits, les différentes niches fiscales aussi qui permettent de payer moins d'impôts pour les plus riches, en réalité, effectivement, il faut bien avoir en tête, quand on regarde le taux moyen d'imposition, les plus riches, les très très riches, on paye proportionnellement moins que les classes moyennes et autant que les catégories populaires, que les 10% les plus pauvres. C'est quand même hallucinant, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez dans le débat. Et c'est d'autant plus, ça rend d'autant plus légitime de dire, du coup, il faut trouver des moyens pour taxer les plus riches. Alors, on va y venir sur le détail des mesures, mais que ce soit sur leur revenu ou sur leur patrimoine, il y a possibilité, effectivement, de taxer les plus riches sans que ça soit quelque chose qui soit confiscatoire. Je vais prendre ce que là j'ai laissé le fil de commentaires tourner, mais vous êtes plein à participer, donc merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Je vais essayer aussi de relayer vos questions. Bon, il y a aussi des commentaires genre Romina qui dit c'est toujours sur les petites gens que les économies sont faites, rien de nouveau. C'est assez clair, t'as raison Romina, mais je pense que c'est même encore pire qu'avant. Il y en a pas mal qui parlent de ce qui se passe aux États-Unis, de Biden, là, on va arriver. Juste avant, un mot, Olivier dit, et c'est le genre de commentaires qu'on voit souvent, donc je pense que c'est bien d'y répondre. Arrêtez de faire partir les riches, ce sont eux qui font travailler et où des magasins. Qu'est-ce que tu réponds à ça ?
Alors, c'est une autre idée qu'on démontre dans le bouquin. Et je précise en plus qu'à chaque fois, il y a un petit bouquin, un petit dessin de Fred Sauchard. Et je pense justement à un qui répond parfaitement à cette question. Et ben, en fait, c'est du pipeau. En fait, les statistiques de l'administration des finances publiques montrent qu'à l'époque de l'ISF, en fait, il y avait entre 0,1 et 0,5 % des assujettis à l'ISF qui partaient tous les ans. Et en fait, ce n'est pas principalement pour des raisons fiscales, ça peut être pour des raisons professionnelles et autres, etc. Autre élément qui est très important, c'est que quand Macron a baissé la fiscalité des plus riches, il a dit, alors ça ruisselle, etc., on pourrait y revenir, ça n'a jamais ruisselé, mais il a dit aussi que c'était pour résoudre cette question-là, quoi. Et vous savez peut-être qu'ils ont nommé, après la crise des Gilets jaunes, ils ont dit on supprime pas, on revient pas sur la suppression de l'ISF, par contre, on crée un comité d'évaluation. Et ce comité d'évaluation, il a déjà rendu deux rapports, et il montre très clairement que, en fait, c'est pas vrai cette idée-là, quoi. Alors certes, certains médias, notamment les Échos, ont fait des gros titres en disant ça réduit l'exil fiscal, parce que quand on regarde, effectivement, il y a une baisse des départs en France, mais qui ne date pas de 2017, qui date de l'annonce du Brexit, en fait. Et du coup, je sais pas si c'est trop un peu compliqué, mais on a toujours cet argument de dire si on taxe trop les riches, ils s'enfuient. Mais en fait, dans la réalité, quand il y avait l'ISF, c'était tout à fait marginal. Et là, maintenant, il n'y a plus l'ISF. Et on ne voit pas les évadés fiscaux revenir. On ne voit pas Bernard Arnault et les autres arrêter d'utiliser leur filiale au Luxembourg. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ça, c'est un système, en fait, hein. Aujourd'hui, les bénéfices des grandes multinationales sont délocalisés de manière artificielle dans les paradis fiscaux. Nous, les nôtres, c'est essentiellement pour nos multinationales opérant en Europe, c'est le Luxembourg, la Irlande. Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande. Et les Bernard Arnault, les milliardaires, les ultra-riches, on va pour les appeler comme ça, font les mêmes mécanismes pour échapper à l'impôt. Mais alors, c'est ça que je trouve bizarre, en fait. C'est que quand on parle d'exil fiscal, on imagine toujours quelqu'un qui va partir de France pour aller s'installer ailleurs. Mais ces cas-là, ils sont excessivement marginaux. En réalité, c'est des personnes qui sont tranquillement installées chez eux et qui, par des cabinets de conseil, par des différents avocats fiscalistes, etc., sont renseignées pour essayer d'échapper à l'impôt, quoi. Le problème, c'est le manque de volonté politique pour mettre fin à ça. C'est ça la vraie question, quoi. Ouais, La question, c'est c'est pas ça que je voulais oui, ailleurs, on peut-être. paye moins d'impôts, donc du coup, si on paye trop en France, ils vont partir. La question, c'est comment est-ce qu'on harmonise tout ça vers le haut et comment est-ce qu'on fait que chacun paye sa juste part d'impôts? Ouais, c'est peut-être ça que je voulais compléter parce que deux choses. Un, on oublie aussi que, y compris les riches et les multinationales, ils ont besoin en réalité des services qui sont offerts grâce à l'impôt. Une entreprise, elle se sert de routes. La plupart des routes locales sont gratuites. Elle a des gens qui sont formés dans des écoles et l'école est gratuite en France. Et donc, tout ça, ça a un coût. Il y a des gens, leurs employés sont soignés à l'hôpital à travers un système bon, qui a été attaqué ces dernières années, mais qui est payé aussi. Et donc, tout ça correspond à des dépenses et c'est normal que ceux qui contribuent le plus, qui gagnent le plus, contribuent davantage. Et la deuxième chose aussi qu'on oublie, c'est, tu le disais très bien, parce qu'il y a 0,1% de gens qui se cassent et donc du coup, on ne fait pas payer 100% de ces gens-là. Enfin, c'est délirant en fait de se dire que parce qu'on refuse de se donner les moyens de lutter contre l'évasion fiscale, du coup, bah, on abandonne toute mesure. Et c'est trop facile de laisser des trous dans la raquette. Donc ça, je pense que c'est des éléments importants quand on vous dit... Parce qu'il y a cette espèce de mythe. Demain, je vais faire une émission sur RTL avec Éric Brunet sur la question. Je suis sûre, je vais encore avoir droit. Ah, mais vous êtes anti-riche, etc. Non, on est anti-inégalité. Et en fait, il y a suffisamment de richesses dans le monde pour qu'elles soient partagées. Et je ne suis pas sûre que Bernard Arnault ait besoin de plus de 60 milliards d'euros en plus que ce qu'il avait déjà cette année. En fait, c'est juste une question de mesure, quoi. Mais du coup, on va arriver parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous interpellent sur ce qui se passe un peu aux États-Unis. Et donc, vous avez sûrement entendu un peu parler ce qui se passe aux États-Unis. Donc, je vais reprendre un peu hein, les petits commentaires. Dylan qui nous dit, est-ce que c'est possible de faire pareil qu'en Amérique? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme commentaire? Xavier qui dit, il faut taxer les entreprises du CAC 40. J'en avais d'autres aussi, des commentaires sur les États-Unis et sur ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde. Donc, peut-être dire, et c'est la blague qu'on se faisait entre nous, Raphaël et moi, avant de commencer ce live, on se disait, putain, on s'est fait dépasser par les États-Unis. Il se passe quoi?
Effectivement, moi, en tant que militant intermondialiste qui ai connu le début du mouvement intermondialiste, les États-Unis, ça a toujours été le grand méchant, ça a toujours été l'inverse de la politique qu'on rêvait d'avoir en France. Moi, quand je fais des cours de sciences politiques, j'explique toujours que dans le débat politique, la France se situe, voilà, on traitait Obama de communiste parce qu'il voulait faire un modèle de sécurité sociale, quoi. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a un président en France qui a pris tout d'un coup, il apparaît pour ce qu'il est, quoi, un président de droite et de droite sur les questions économiques, en tous les cas, ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'effectivement, Biden a montré quelque chose. Alors, je suis en train de me dire de m'enthousiasmer, hein, mais il montre que tout simplement que c'est une question de volonté politique, en fait, tout ça, quoi. Alors, Biden, attention, hein, parce que enfin, sur certaines mesures, il ne revient qu'en partie sur les mesures qu'avait pris Ouais, peut-être. Trump, et du coup, on se retrouve quand même. Bon, mais c'est vrai que si on regarde, en gros, c'est l'inverse de ce que fait Macron. C'est-à-dire, premièrement, tout à l'heure, j'ai parlé de la flat tax. Bon, cette flat tax, en France, elle est 30%. Aux États-Unis, là, c'est un mécanisme équivalent, elle est à 40%. On a parlé de l'impôt sur le revenu. Macron a refusé depuis le début une des propositions que font la plupart des organisations qui travaillent sur la justice fiscale, c'est de dire qu'il faut plus de progressivité dans l'impôt sur le revenu, il faut créer des nouvelles tranches, des tranches supérieures, pour que justement ceux qui gagnent beaucoup, eh bien, on comprend bien qu'au-delà d'un certain montant, eh bien, ils ne vont pas manquer si on leur prend une bonne partie. Hein, je rappelle que l'impôt sur le revenu, c'est un impôt par tranche. Hein, donc, par exemple, quand il y avait le débat sur les 75% à l'époque de Hollande, les gens croyaient qu'on allait prendre 75% de leur revenu. Non, c'est au-delà d'un million d'euros, on prend 75%. Et ça, il va lui, de toute façon, il lui restera déjà quand même bien plus que ce que tu auras jamais dans toute ta vie, quoi. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est hallucinant, c'est de voir effectivement que Macron s'accroche aux dogmes libéraux, bon, et qu'en même temps, Biden montre que oui, en fait, on peut augmenter l'impôt sur les revenus des plus riches, on peut augmenter l'impôt sur le capital détenu par les plus riches et sur les revenus qu'ils en tirent, hein, donc sur les revenus financiers, et puis aussi sur l'impôt sur les sociétés, parce que on a beaucoup parlé des riches depuis tout à l'heure, mais il faut pas oublier quand même les multinationales qui aujourd'hui jouent un rôle quand même dans la mondialisation qui est absolument dévastateur à tout point de vue, que ce soit au point de vue social, environnemental, etc. Et qui, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup se sont fortement enrichis pendant la crise, enrichis, ont augmenté leurs profits. Et Biden disait, mais c'est pas normal que Amazon paye moins d'impôts qu'un pompier, ou je sais plus ce qu'il a pris comme exemple. Mais ben oui, effectivement, aux États-Unis, Amazon ne paye quasi, enfin, 0 € pratiquement d'impôts sur les sociétés. Et quand on regarde en France ou en Europe, hein, on voit aussi que par différents mécanismes d'évasion fiscale via le Luxembourg, ils ne payent pas du tout leur juste part d'impôts. Donc, à un moment donné, plutôt que d'aller toujours prendre l'exemple qui a été donné tout à l'heure, toujours tirer vers le bas, et toujours baisser les taux d'imposition, eh bien, il faut mettre un frein à ça, quoi. On a calculé, alors je l'ai plus en tête, mais je crois que si on suivait le rythme de la baisse de l'impôt sur société en moyenne dans le monde, dans 50 ans, on est à 0% partout, Ouais, quoi. ça, en 2050. En Voilà, en 2050, on 2050, sera. Parce même qu'en pas fait, avant. Voilà. ils ont été divisés par deux depuis les années 80, et c'est en Europe où les taux ont le plus baissé depuis les années 80, ce qui est assez frappant. Et Et en donc fait, Macron est vas-y. passé en France, on était en 2017, le taux d'imposition sur les sociétés était à 33,1 tiers, 33,33%, on va dire, et il sera à la fin du quinquennat à 25%. Et aux États-Unis, eh bien là, on est en train de passer de 21 à 28%, en sachant qu'au début du quinquennat Trump, on était à 35%. Donc, il ne revient pas non plus à ce niveau-là. Et puis, il y a toute la discussion qu'il y a et qui est vraiment fondamentale, hein, qui montre encore une fois que lutter contre l'évasion fiscale n'est qu'une question de volonté politique et de rapport de force. Est-ce que les grands États veulent ou pas récupérer l'argent que les multinationales leur volent, en fait? C'est ça la question. Alors en France, on se fait complice. Hein. Je rappelle quand même que, enfin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je ne sais pas si on en a parlé maintenant, mais si ça a échappé à certains, on a quand même appris le week-end dernier un truc complètement hallucinant. Il y a une discussion au niveau européen sur la transparence fiscale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le reporting public pays Ouais, par pays, c'est une j'en ai mesure pour. parlé parce que j'étais aux négociations et en effet Ok, pour ouais. Et faire un du peu. coup, c'est vrai que quand on voit qu'en France, nous, on a un gouvernement qui officiellement fait de l'évasion fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale une priorité, et en même temps, il faut bien comprendre ce qui se passe. La transparence fiscale des multinationales, si c'est le MEDEF qui écrit la note, ça veut dire que le MEDEF, il est juge et parti, quoi. Ouais, non, Et c'est donc, clair. c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'en même temps, aux États-Unis, on dit oui, bah, alors nous, on va augmenter l'impôt sur les sociétés, et puis on va mettre fin à cette course vers le bas au niveau mondial en créant un taux à 21%. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça fait bouger les lignes, puisque la France et l'Allemagne ont dit OK pour 21%, alors que la France, la position de Bruno Le Maire, c'était quand même, oui, on veut lutter contre l'évasion fiscale, on veut un taux minimum d'imposition à 12,5%. 12,5%, c'est le taux d'imposition de l'Irlande, c'est le plus bas d'Europe. Donc en fait,
pour ça que moi, j'aime pas trop, on se bat plus sur la notion de taxation unitaire des multinationales plutôt que de taux effectif, parce que le taux minimal d'imposition, c'est bien, mais s'il est trop bas, en fait, ça ne règle pas les problèmes. Si on le met au niveau de l'Irlande, ça veut dire que du coup, forcément, vous ne pouvez pas aller plus bas, quoi. Et je ne sais pas si on parle de taxation unitaire maintenant Ouais, ou non, pas, ou si attends. on rentre pas dans ces Non, juste détails. peut-être pour résumer un petit peu ce qui s'est passé aux États-Unis. Moi, mon sentiment, c'est qu'aux États-Unis, ce n'est pas une révolution qui est en train de se passer, mais on est en train de fermer une parenthèse de l'histoire. Cette parenthèse qui voulait que la taxation des multinationales et des plus riches était littéralement en train de dégringoler. Donc, je vous disais, hein, divisé par deux globalement dans le monde. Biden met juste un stop à ça en revenant en fait sur notamment les coupes fiscales qui avaient été faites par Trump et donc en mettant en réaugmentant le taux d'imposition des entreprises, en demandant un taux minimum au niveau international dont tu parlais, en rehaussant aussi une taxe sur les dividendes. Je dis ça parce que il y a eu plusieurs commentaires sur c'est Laurence Durieux qui nous a dit à quand une taxe sur les dividendes qui existe aux États-Unis et donc avec la volonté de changer la trajectoire et la dynamique. Et c'est ça tout l'enjeu, parce qu'en effet, nous, on a eu un débat cette semaine au Parlement européen sur c'est quoi la réponse de l'Union européenne. Et ce qui m'a frappé, c'est à quel point l'Union européenne était en fait à la traîne de ce que racontait Trump, que nous, on est incapable d'arrêter cette course à la concurrence fiscale qui fait que tous les États baissent petit à petit leur taux et qu'à la fin, bah, les entreprises sont plus taxées. Et du coup, c'est vous et moi qu'on va taxer, parce que nous, c'est beaucoup plus simple d'augmenter notre TVA. Mais ça, c'est pour ce qui se passe aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste aux États-Unis que ça bouge. Il y a la Nouvelle-Zélande, l'Argentine qui ont mis en place des taxations exceptionnelles liées à la crise. Il y a le FMI et l'ONU qui ont appelé aussi, alors ce n'est pas les gauchistes, hein, clairement pas, mais même les libéraux, ils se disent, OK, on arrive à un tel niveau d'inégalité que ça va partir en cacahuète. Et comme ils ne veulent pas que ça parte en cacahuète, ils se disent, bon, on va remettre un peu de paix sociale en taxant un peu plus les plus riches, mais pour dire à quel point ils étaient plus taxé du tout, quoi. Et ça, Donc c'est quand ça même hallucinant. Moi, je vais manifester contre le président des États-Unis lors des G7, je manifestais contre les réunions du FMI. Et aujourd'hui, on a le FMI, quand même, qui a toujours été le champ d'une politique d'austérité, qui dit, bah non, en fait, là, peut-être au stade où on en est, il faudrait peut-être taxer les plus riches, quoi. C'est pour ça que c'est hallucinant de voir l'état du débat en France à côté. On est vraiment, avec Macron, on est notamment dans un tel décalage. Et j'espère que ça va être un des débats centraux, effectivement, des campagnes qui s'ouvrent. Effectivement, ce n'est pas possible. Ça se voit, ça se sait. Même les rapports que tu as fait sortir, parce que c'est quand même Macron qui a nommé ce comité d'évaluation des réformes qu'il a lui-même menées, dit qu'il n'y a pas de ruissellement. Le seul effet que ça a eu, les réformes que tu as prises, c'est que les riches sont plus riches et que les dividendes ont augmenté, quoi. Et ça, c'est vrai que de voir qu'aujourd'hui, le FMI et Biden sont en train d'être à côté de Macron, c'est quand même incroyable. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est pas une révolution pour autant, et on va pas là non plus être en train de dire on c'est aimerait bien, génial, hein? mais c'est vrai que c'est nécessaire et ça va permettre de faire bouger les lignes en France. Et c'est vrai aussi qu'on peut imaginer que si dans les négociations internationales, le fait que si les États-Unis sont réellement sur cette position-là, ils sont fermes là-dessus, ben, on peut espérer quand même que ça aille dans ce sens-là. Alors qu'avec Trump, on savait qu'il n'y avait aucune possibilité d'avoir un accord et on se contentait, par exemple, d'une taxe GAFA française qui est tout à fait symbolique. On avait montré quand elle avait été créée qu'elle ne réglait absolument pas le problème qu'elle prétend combattre. Hein. C'est une taxe symbolique qui ne règle pas le problème de l'évasion fiscale des GAFA ou des entreprises du numérique. Voilà, là, on peut espérer que le débat va évoluer et que, ben, en tout cas, que ça va apparaître clairement le fait que Macron mène en toute conscience une politique favorable à l'enrichissement des très riches. Alors, ce qui m'étonne, c'est que dans l'intention de vote, quand je vois qu'il est à 25%, il n'y a pas 25% de Français qui bénéficient de cette politique. Ça, c'est surprenant, par contre. Non, c'est clair. Et de nouveau, parce qu'il y a plusieurs commentaires qui nous demandent, mais attendez, c'est qui les riches, etc. Je le redis, là, on parle pas, probablement, vous tous qui nous regardez, vous n'êtes pas dans ces 0,1% ou 0,01% dont on parle. C'est ceux qui ont des revenus mensuels qui sont bien supérieurs à 10 000 euros par mois. C'est ceux qui ont un capital qui se compte en millions d'euros. Et forcément, c'est loin d'être la majorité de la population. C'est une toute petite minorité. Mais du coup, on voit que les lignes commencent à bouger. Et je dois dire, ça fait du bien.
un peu moins seule parce que même quand je travaillais à Oxfam et on travaillait beaucoup avec Attac et tout, en gros, il y avait nous deux, on essayait de faire du bruit sur ces questions, mais on était souvent marginalisés, catégorisés comme des gens qui étaient un peu utopistes sur les questions fiscales ou complètement déconnectés de la réalité. Et on se rend compte à quel point maintenant c'est nécessaire, et c'est nécessaire y compris pour financer la solidarité. Moi, j'en peux plus d'entendre que le RSA, par exemple, ça coûte trop cher. Alors, le RSA, si on le fait pour tous les jeunes, ouais, ça coûte un peu d'argent. Mais moi, je préfère qu'on leur donne au moins 500 euros par mois, mais je vais au-delà. Je pense qu'il faut leur payer une allocation d'autonomie. Et ça coûte quelques milliards d'euros et qui serait très facile à récupérer à travers une taxe sur les profiteurs de crise qui pourrait rapporter déjà 6 milliards d'euros à minima. C'est la proposition qu'on a fait à l'Assemblée nationale. À travers une taxe sur l'héritage. Et tout ça, c'est... Voilà, il ne faut pas oublier aussi à quoi ça sert cet argent, et ça évite qu'on aille chercher dans la poche des plus pauvres, et au contraire, c'est aider les gens qui galèrent, quoi. Mais du coup, pour en arriver aux propositions et comment on change tout ça, et si vous avez encore des questions ou des interrogations, n'hésitez pas, ceux qui nous suivent sur le live. Je dois vous dire, petite parenthèse, qu'on a failli avoir un crash, mon ordinateur a failli se déconnecter parce qu'il n'avait plus de batterie, mais normalement, tout va bien, tout est sauvé. Donc, si vous m'avez vu faire des gestes bizarres, à Mathieu qui est derrière l'écran, qu'il m'a sauvé en faisant le ninja à travers les fils. Voilà, donc si ça n'a pas coupé, c'est un miracle, je dois le dire. Mais du coup, pour en arriver un peu à nos propositions, à celles que vous portez aussi dans la campagne d'Attac, tu disais, vous parlez de taxation unitaire. Bon, ceux qui nous regardent disent, putain, ils vont encore nous parler fiscalité, jargon, j'y comprends rien et tout. Comment on l'explique assez simplement pour dire, en gros, stop à l'injustice et on veut que le slogan des Gilets jaunes, en fait, les gros payent gros et les petits payent petits, quoi. Avant de revenir sur la taxation unitaire, en gros, il y a deux types de mesures. Il y a celle sur les très riches et il y a celle sur les multinationales, quoi. Sur les très riches, il y a l'idée d'une taxe exceptionnelle sur, alors après à déterminer, hein, aux États-Unis, par des 0,3% les plus riches, bon, Piketty, enfin, des fois, on voit 1%, 0,1%. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sur une toute petite minorité de plus riches. Mais le problème, c'est que les taxer de manière exceptionnelle, ça ne va pas régler le problème fondamental qu'on a expliqué du fait qu'aujourd'hui, les riches ne payent pas assez d'impôts, quoi. Donc, on propose aussi, ça c'est une mesure exceptionnelle, ponctuelle, mais on propose aussi bien sûr de rétablir, de rénover un impôt de solidarité sur la fortune. On propose d'augmenter la progressivité de l'impôt et de réduire les impôts qui pèsent sur les plus pauvres, comme l'expliquait tout à l'heure. Il faut réduire la part de la TVA dans les impôts. Il faut faire en sorte, au contraire, d'augmenter les impôts progressifs comme l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la fortune. Et puis, sur les multinationales, alors là, c'est pareil, il y a une mesure exceptionnelle qu'on porte et on remercie les députés FI en France qui vont porter ça à l'Assemblée nationale bientôt, hein, qui est de dire une taxe sur les entreprises qui se sont enrichies pendant la crise. Donc là, on peut très bien comprendre que si on prend les très grandes entreprises et qu'on détermine celles qui ont réalisé des profits exceptionnels pendant la pandémie, il est juste normal qu'elles contribuent à aider les entreprises et les Français qui, pendant ce temps-là, ont subi des pertes. C'est tout à fait, ça se consent tout à fait. Mais ça, nous, quand on porte des mesures comme ça de taxes exceptionnelles, on ne dit pas que ça réglerait tous les problèmes. On ne dit pas que c'est la seule chose qu'on veut. C'est bien important de l'avoir en tête. C'est tout à fait légitime de faire ça maintenant. Et on le porte dans le débat parce que c'est tout à fait entendable. Mais ça ne règle pas le problème qu'on a expliqué du fait que les multinationales ne payent pas leurs impôts là où elles devraient les payer. Aujourd'hui, une multinationale, en fait, elle se débrouille par des jeux d'écriture entre ses différentes filiales. Par exemple, j'achète des droits de propriété intellectuelle, je ne sais pas moi, McDo, ah bah oui, en France, je vais payer à la filiale luxembourgeoise le fait d'avoir le droit d'utiliser la tête de Boroni, etc., les menus, etc. Bon, ça peut être ça, ou ça peut être différents moyens qui permettent de facturer, en fait, très cher à une filiale qui, elle, bizarrement, est dans un pays où on échappe à l'impôt sur les sociétés, des fameux paradis fiscaux. Et comme on disait tout à l'heure, pour l'Union européenne, c'est surtout le Luxembourg ou l'Irlande. Eh bien, la taxation unitaire des multinationales, c'est tout simplement arrêter de considérer qu'on veut bien taxer là où vous voulez bien déclarer. En fait, alors c'est pour ça que c'est très important d'avoir aussi la transparence fiscale et d'avoir le fameux reporting public pays par pays que la France sabote en comprenant les notes du MEDEF, c'est que si on sait chaque entreprise, là où est-ce qu'elle réalise son activité, dans chaque pays, quel est son chiffre d'affaires, quel est son bénéfice, quel est le nombre de salariés, combien elle paye d'impôts, eh bien, c'est tout à fait possible, et c'est qu'une question de volonté politique, de déterminer où est-ce qu'elle doit payer ses impôts et de faire payer l'impôt sur les sociétés, non pas là où elle veut bien déclarer,
ses profits, mais au prorata des profits qu'elle réalise dans chaque pays. Donc, on pourrait déterminer, alors après, on peut débattre, hein, nous, on met ça en débat, on veut bien en débattre. Est-ce qu'il vaut mieux le faire uniquement sur les ventes? Mais du coup, ça veut dire que il faudrait aussi peut-être regarder les salariés. Enfin, il y a différents critères pour déterminer l'activité réelle dans chaque pays. Aussi, pour ne pas léser les pays du Sud où on a produit ces produits, mais c'est pas où on les vend. Enfin, il y a des mécanismes qu'il faut réfléchir pour réussir à trouver une clé de répartition qui fasse que ça soit juste et que les entreprises payent là où elles réalisent leurs activités, là où elles créent de la richesse. Parce que le profit, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, on veut bien faire semblant de croire que c'est au Luxembourg que se crée une grande partie de la richesse en Europe. C'est pas vrai. C'est juste, comme j'ai expliqué, c'est des lignes comptables où en fait on se débrouille par. Voilà, c'est tout le problème des multinationales. Hein, c'est qu'à partir du moment où vous êtes en activité dans différents pays, c'est la définition des multinationales, j'ai des filiales dans au moins 2 pays, eh bien je peux très bien choisir certaines multinationales, certaines filiales, choisir de les localiser là où je vais payer le moins d'impôts. Et aujourd'hui, c'est devenu systématique, et en Europe en particulier, tu l'as expliqué tout à l'heure à cause de la concurrence fiscale que se mènent les différents États, eh bien, effectivement, on accepte de faire semblant de croire que quand vous achetez un téléphone ou, je ne sais pas, un produit chez Apple, en fait, ben, c'est déclaré en Irlande et puis ça finit à Jersey où c'est taxé à zéro. On fait semblant de croire que quand vous commandez un produit chez Amazon, et ben, en fait, ben, non, la TVA, ben, non, on ne l'a pas vu passer, en fait. Bon, ça, c'est une question de volonté politique. Si on veut s'attaquer aux multinationales, eh bien, on peut le faire. Encore faut-il le vouloir. Il y a pas mal de réactions en commentaire, à la fois sur les propositions. Alors, je vais prendre la dernière, celle de Laurence, qui dit « Que dit l'Europe sur cette taxe au chiffre d'affaires par pays ?» Pour te répondre, Laurence, en fait, c'est un vieux projet européen qui date de 2003, qui a été un peu mis au placard et qui est ressorti au gré de la crise, mais qui est clairement largement bloqué, y compris par les paradis fiscaux comme l'Irlande et le Luxembourg. Et la difficulté au niveau européen, c'est que sur les sujets fiscaux, la décision doit se prendre à l'unanimité. C'est pour ça que nous, dans les choses qu'on défend, c'est que ce type de projet et ce type de nouvelle taxation peut être fait de manière unilatérale. Ce dont parlait Raphaël juste à l'instant, l'idée de taxer en fonction d'indicateurs d'activité économique réelle. En gros, Amazon, bah, c'est simple, ils ont vendu combien de bouquins ou de je ne sais quoi d'autre sur le sol français et on prend un pourcentage, je simplifie un peu. Et ça, on peut le faire de manière unilatérale. Et on peut dire, bah, voilà, nous, si on est au pouvoir, on le ferait. Et on le ferait, même certainement le fait qu'on le fasse, ça entraînerait dans notre sillage d'autres États, l'Italie, l'Espagne, d'autres qui auraient aussi marre de se faire avoir en fait par l'impossibilité de décider là-dessus au niveau européen et qui diraient bah, c'est pas grave, nous on va au-delà de ça. Et ça fait partie aussi des modes alternatifs qui, à mon sens, doivent être explorés et on doit assumer en quelque sorte de dire bah, on remet en question le cadre européen, mais on prend la liberté de le faire nous. Et en fait, en réalité, il n'y a personne qui va venir nous taper sur les doigts. Mais à un moment, tu l'as très bien dit, Raphaël, il faut du courage politique, quoi. Et franchement, quand je vois mes collègues au niveau européen, du courage, il en manque. Ça, c'est pour la partie taxation des multinationales. Puis, il y a pas mal de commentaires sur d'autres propositions. Alors, il y en a une qui revient pas mal. Je l'ai vue de la part de Toff, qui l'a commenté, et j'en ai vu d'autres avant, désolée si j'ai raté vos noms, sur la taxation sur les transactions financières. Et comme je sais qu'Attac l'a beaucoup porté, peut-être tu peux nous dire un mot sur la TTF, Raphaël. Ah, c'est la mesure fondatrice d'Attac au départ. Hein. Attac, ça naît d'un édito dans le monde diplo où Ramonet dit il y a un problème de spéculation sur les monnaies à l'époque. Il faudrait qu'on crée un grain de sable dans cette spéculation. Si on taxait les échanges de devises, eh bien, ça rapporterait du pognon. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, cette taxation des transactions financières, ça s'est bien élargi. Hein. Ce qu'on porte, c'est que ça soit sur tous les différents transactions financières. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous, par exemple, ça vous arrive parfois, j'en sais rien, moi, il n'est parfait d'acheter une action ou je ne sais quoi, a priori, ce n'est pas pour la revendre dans la microseconde et de la revendre 100 fois ou 1000 fois dans une journée, quoi. Par contre, effectivement, la spéculation aujourd'hui, quels que soient les produits, que ce soit sur l'échange, que ce soit bref, des produits dérivés, etc., etc., eh bien, on a ce mécanisme de spéculation à très haute vitesse. Et si on mettait une petite taxe sur chaque transaction, en réalité,
Ce n'est pas simplement que ça rapporte de l'argent et c'est toujours utile de rapporter de l'argent pour pouvoir financer les différents besoins qu'on a, mais c'est aussi que ça permettrait de bloquer la spéculation. Alors, tu peux peut-être en dire un peu plus sur où ça en est au niveau européen, mais là aussi, on a un gouvernement français qui a tout fait pour saboter les différentes avancées là-dessus, hein, et ça montre encore une fois. Nous, en France, on nous dit. Ah oui, non, on ne peut pas le faire, il faut le faire au niveau européen. Il y a certains qui nous disent qu'on ne peut rien faire, de toute façon, on ne peut pas lutter contre l'évasion fiscale si on ne fait pas le Frexit. Mais en même temps, quand on regarde la réalité, c'est qu'on prend l'Europe comme par avant, mais nous, nos représentants nationaux, ils défendent dans l'Union européenne des positions qui sont vraiment pas à la hauteur des enjeux, quoi. Ce n'est pas l'Europe qui nous impose, c'est le fait que nous, on bloque au niveau européen qui fait qu'on ne peut pas avancer, quoi. Il n'y a pas que Ouais, des méchants paradis fiscaux et nous, le gouvernement français, on serait vertueux, quoi. Non, ce n'est pas comme ça que ça se c'est passe. clair, c'est un jeu de dupes. Et moi, je le voyais avant quand j'étais à Oxfam, parce que c'est en effet toujours le discours qu'on nous faisait à nous, les ONG. Non, mais attendez, on ne peut rien faire sans l'Europe. Et maintenant, je le vois du côté européen. On a clairement la France qui bloque. Et du coup, elle se met dans le beurre. Elle dit, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'Union européenne. Et du coup, elle fait tout pour capoter au niveau européen. Et c'est pour ça que moi, je crois qu'à un moment, si on a du courage politique, rien n'empêche de prendre ces mesures de manière unilatérale. Et on ne va pas venir nous taper sur les doigts. C'est juste que, oui, ça suppose une petite révolution fiscale où on arrête de participer à cette guerre. Franchement, c'est la guerre du XXIe siècle. Parce que de cette manière-là, on a les finances publiques, quoi, le budget des États, et derrière, bah, c'est des coupes dans les hôpitaux, des coupes dans la protection sociale, des coupes dans l'éducation, et ça, on le voit au quotidien. Quand y a des trucs qui sont de moins en moins remboursés, bah, ça aussi, c'est un impact direct. Et donc, on voit aussi qu'en réalité, tout ça, c'est pas juste un débat sur la fiscalité et qui est-ce qui est taxé, c'est un débat plus général de société sur, bah, en gros, qu'est-ce qu'on veut faire en commun. Et si on ne fait pas en commun, bah, c'est du chacun pour soi. Et en gros, bah, c'est les États-Unis où tu vas à la fac et ça te coûte 50 000 dollars par an et qui a les moyens de faire ça. Et ce qui est intéressant aussi dans le projet Biden, c'est que les hausses d'impôts, elles sont associées aussi à des projets d'investissement, y compris à des projets d'investissement écolo qui créent de l'emploi. On revient à notre cercle vertueux cette fois-ci. Et notamment, ils vont ouvrir les écoles maternelles qui sont payantes là-bas. Ils vont les ouvrir gratuitement. Donc, on voit à quoi ça peut servir aussi de l'argent public. Et que tout ça n'est pas juste. Souvent, je dis, le rôle d'un système fiscal juste, il est double. Il est à la fois de, en gros, prendre aux riches et redonner aux pauvres. Et deuxièmement, de financer les services publics de qualité. Et il y a des équivalences qui marchent assez bien pour ça. Par exemple, là, on a calculé sur les. Si on prend juste l'augmentation des milliardaires de ce qu'ils ont gagné, les milliardaires français cette année, si on les taxait à 15%, on financerait une allocation d'autonomie pour tous les étudiants pendant un an. Bon, c'est un exemple, on peut en prendre plein d'autres. Je ne sais pas, 2% de la fortune de Bernard Arnault, si on le taxe, c'est des loyers pour les. On peut payer les loyers des étudiants qui sont logés en CROUS, donc en résidence étudiante, pendant un an. Bon, c'est des exemples qui montrent très clairement que c'est aussi un truc qui, après, sert à des services qui permettent eux aussi de réduire les inégalités. Mais peut-être pour conclure, parce que je ne voudrais pas prendre plus de ton temps, Raphaël, en ce moment, vous menez une campagne. Dis-nous un petit peu, c'est quoi les prochaines étapes de la campagne? Comment tous ceux qui nous ont suivis et qui sont, comme moi, révoltés par cette injustice fiscale, comme nous deux, révoltés, comment ils peuvent vous filer un coup de main? Comment ils peuvent aussi, parce que honnêtement, on ne gagnera rien sans mobilisation populaire. Ça, qu'on se dise les choses tout de suite. Moi, j'ai travaillé à Oxfam, parfois on parlait dans le vide pendant des années. Je vous dis, quand il y a des gens qui parlent avec nous, c'est quand même plus efficace, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour donner de la voix avec vous, quoi, et avec nous? Bah, je vous invite, le plus simple, c'est d'aller sur le site d'Attaque. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Déjà, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez signer la pétition qui demande On va donc vous remettre le lien en commentaire de la les deux pétition. mesures que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire une taxe exceptionnelle sur les plus riches, sur leur patrimoine, hein, sur le patrimoine des plus riches, et puis une taxe exceptionnelle sur les multinationales qui ont fait des bénéfices pendant la crise. Hein. Donc ça, c'est sûr qu'une pétition, c'est pas, ça ne suffit pas, mais c'est un outil important aussi, quoi. Et puis, vous pouvez passer à l'action avec Attaque. On a mené des actions récemment. On va continuer à en mener dans les prochaines semaines. On vous encourage vraiment. Alors, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire.
sur le site, vous verrez, vous pouvez commander du matériel, vous pouvez passer à l'action avec des petits groupes, vous pouvez prendre contact avec les comités locaux d'attaque. C'est un débat qu'on veut faire vivre, nous, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On est convaincus que ça va être vraiment une question centrale. Qui doit payer la crise? Est-ce que ce sont les retraités? Est-ce que ce sont les chômeurs? Est-ce que ce sont les fonctionnaires, le personnel Les hospitalier? Est-ce que ce sont smicards. les étudiants? Ou est-ce que ce sont ceux qui se sont enrichis pendant la crise? Ce n'est pas leur faute. On dit pas que, moi, on n'est pas en train de dire c'est eux qui ont créé la crise exprès pour s'enrichir. Je ne sais pas, ce n'est pas le discours. C'est juste de dire, mais en fait, on justifie le fait qu'on a creusé la dette pendant la période du Covid pour dire aujourd'hui, il va falloir se serrer la ceinture. Mais ce n'est pas nous de nous serrer la ceinture. Nous, on ne s'est pas gavé pendant la crise. Nous. Par contre, il y en a qui C'est se sont plutôt gavés. l'inverse même. Eh oui, il y en a qui se sont gavés pendant la crise, ça serait quand même la moindre des choses qui contribuent, quoi. Alors, du coup, voilà, vous pouvez, il y a notamment du matériel, alors des affiches de plus ou moins grand format, et selon si vous passez à l'action plutôt de manière individuelle ou Elles dans des sont cadres super belles, les collectifs, affiches. vous pouvez faire Faites-les fleurir sur nos, différentes dans nos choses villes. dans vos stations de métro, sur les murs des multinationales, sur les panneaux de publicité. Allez-y gaiement. Et puis, il va y avoir différentes initiatives qui vont venir dans les prochains temps, mais voilà. Rapprochez-vous d'attaque et des comités locaux d'attaque pour passer à l'action avec nous. On compte sur vous pour mener de belles actions. Et puis en attendant, ouais, ceux qui nous regardent, il y a plein de manières en effet de participer à la campagne. Et déjà, vous avez peut-être vu certains fleurir des petites têtes de Bettencourt, d'Arnaud ou de Drahi dans les rues de vos villes. Voilà, faites vivre ce débat aussi en l'affichant sur les murs pour nous-mêmes reprendre le pouvoir. Et puis nous, de notre côté, nous, on continue à se battre au niveau européen. Toutes ces propositions de taxation, que ce soit la taxe sur les transactions financières, de taxation unitaire des multinationales, de taxation sur les profiteurs de crise, de taxation du capital, on les dépose régulièrement en amendement. Je peux vous dire que souvent, on est un peu les seuls à les soutenir, à les voter. Et ça montre de quel côté siège. Quel côté de la richesse, en tout cas, siège la plupart des eurodéputés. Et puis, on se bat aussi au niveau national. Il y aura la proposition de loi qui sera portée par ma collègue Mathilde Panot et qui sera discutée jeudi dans l'hémicycle. Et puis, nous, on compte bien continuer à le faire vivre. On a aussi, avec voilà, en relayant ce que fait Attac, et puis on a développé aussi plein de produits, de visuels, etc., qu'on poste sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à les relayer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour ceux qui n'ont pas suivi, hier, je suis intervenue dans l'hémicycle au Parlement européen avec un t-shirt Tax the Rich. Ça n'a pas beaucoup plu à la présidente de séance qui était là, qui m'a demandé quand même de remettre ma veste et de bien la fermer. Des fois qu'on voit un peu trop le message, et voilà, manifestement, ça ne plaît pas aux puissants de ce monde qu'on leur appelle Tax the Rich. Donc en fait, je me suis dit, je voulais le mettre ce soir, puis j'ai oublié, mais ça me permettra de le laver. Je pense que je vais le mettre à la manif du 1er mai samedi, puis de lancer une petite mode Tax the Rich et d'en faire un mot d'ordre, puisque c'est celui qui avait été aussi notamment impulsé par Alexandria Ocasio-Cortez. Et la gauche des démocrates a joué un rôle aussi dans ce débat aux États-Unis. Donc, puisque le débat avance, j'espère qu'il avancera aussi autant chez nous. Puis, comme c'est mon dada depuis des années, et toi aussi, Raphaël, bah, je suis sûre qu'on aura l'occasion de s'en recoser tous les deux. Sûrement aux amphis pour ceux qui seront là cet été. Puis voilà, vraiment, aidez-nous à mener. C'est un combat de fond, en fait. On a besoin que les gens entendent des arguments qui sortent du dogme qu'on nous présente en mode on n'a pas le choix, le un peu there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative, qui était le leitmotiv de Margaret Thatcher, comme s'il n'y avait pas d'alternative que de prendre dans la poche des pauvres, quoi, globalement. Donc voilà, partagez ce live si vous l'avez vu, soutenez la pétition d'attaque, participez aux actions, collez les affiches. Relayer tous nos mots d'ordre sur ces sujets. Il ne faudra pas compter sur BFM, CNews, Les Échos ou autres pour nous aider à porter cette campagne. Mais comme nous, on est plus forts et plus puissants et plus nombreux. Bon, plus nombreux au moins. Mais on va leur montrer qu'ensemble, on sera plus forts et plus puissants. En tout cas, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir Merci à été avec toi. nous. Merci pour tout le boulot que fait Attac. Et puis à vous toutes et à vous tous, on se retrouve très bientôt, probablement pour les prochaines étapes de cette campagne. On se retrouve aussi pour ceux qui seront à Paris dans la rue pour cette mobilisation du 1er mai qui sera justement volontairement aussi avec ce leitmotiv de ce n'est pas aux travailleurs et aux plus pauvres de payer le coût de cette crise. Et puis bah voilà, la suite au prochain épisode parce qu'on est fait de combat et de lutte. Merci beaucoup.